On dirait danser de côté avec mon mari. Bon, lui, il danse pas beaucoup, mais c'est moi, il est dansé pour lui. Alors, pitié. Je n'ai pas honte de dire pitié. Partout où je suis partie, j'ai pleuré devant les gens. Je ne vais pas pleurer aujourd'hui, là. Pourquoi je n'ai pas pleuré? À toutes mes tournées, on a essuyé mes larmes. Les mamans ont essuyé mes larmes. Donc, je ne vais pas pleurer aujourd'hui. Je ne pleurerai pas parce que j'ai confiance en vous. J'ai mis mon cœur, je l'ai enlevé, j'ai mis dans votre main. Et je vais reprendre mon cœur là, samedi. Voilà ce que je vous demande. Et dimanche matin, quand je me réveillais à Fresco, j'entendrai le chant du coq qui va me réveiller. Ce magnifique chant qui va dire à Fresco, une ère nouvelle se lève à Fresco et en Côte d'Ivoire. Un jour nouveau. Parce que on a brisé les chaînes et le peuple est libre. Le peuple est libre. Et je compte sur vous tous. J'en ai fini. C'était le seul message que je devais vous passer. Moi, je parle avec mon cœur. J'aime pas écrire des discours français. Pour moi, il faut dire qu'on parle comme on parle. Ça vient comme ça vient. Ça sort comme ça sort. N'écoutez pas les gens qui viennent dire les choses. Oui, c'est Alain Rouen a gagné. On ne va pas le libérer. C'est faux. Vous pensez quand même pour moi? Combien pour moi on était en prison au Ghana? Elle est son parti politique. Et il a gagné l'élection, on l'a fait sortir comme ministre du président du Ghana. Le Ghana a été libéré. C'est un grand homme de l'histoire. Lorsque Mandela a été libéré, il a pris des prisons. Donc il n'était pas en prison. Dans les exemples des gens qui étaient en prison, on les a pris. Je crois qu'il y a un Djomo Kenyatta aussi. Soyez fiers de votre fils. C'est un grand homme. Un homme d'honneur et de dignité. Il m'a dit, mais on libère les autres, pourquoi on n'a pas libéré? Et je ne voudrais jamais les gens pour bien me dire. Je suis Gaultier, Gaultier avec honneur, grand H, on a l'honneur et la dignité. Quand on n'a pas volé, on ne va pas parler. Quand on n'a pas tué, on ne va pas parler. Pourquoi il veut savoir l'idée? Il ne veut pas savoir l'idée en fait. Je suis un Gaultier de Koiri, père et mère de Koiri. Et je resterai digne jusqu'au bout. Que Dieu seulement nous donne la force. Que Dieu seulement nous donne le courage. J'ai un dernier message et une surprise pour vous tous. Ok. Alors, je dis merci à Dieu pour tout. Merci pour être là avec nous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur d'aller voter. Et je vais rendre hommage au préfet de Fresco. Il est disponible. Il est à votre écoute. Vous avez un souci, n'hésitez pas à lui parler. Je l'ai vu aujourd'hui. Et je l'ai vu hier. Hier, on ne voulait pas donner cette place. Il a parlé. Ouais, on ne voulait pas nous donner cette place. Et il a parlé. Aujourd'hui encore, nos ministères sont bloqués. À Dali Zeni et également à Mangou. Ils ont mis des pick-up pour bloquer la voie. J'ai appelé le préfet, j'ai appelé la gendarmerie. Ezekiel, Ezekiel, il y a quoi? Il a dit quoi quand même, venez. Tu as quel problème? Sur un 5 000 potes de terre? Alors, je vous dis d'aller voter. Votez tout samedi. Ils ont bloqué les voies. Le commandant de brigade est allé là-bas. Ils ont débloqué. Qui ils ont trouvé? Je vais pas dire le nom de quelqu'un. Je ne peux pas laisser comme ça. C'est pas qu'on leur fasse de la publicité. En tout cas, la gendarmerie est prête pour vous. Elle veille sur vous. N'ayez pas peur d'aller voter. N'ayez pas peur. Allez voter. Le reste là, tout ce que vous demandez, le jour du vote là,
les bureaux de vente là, c'est vos bébés. Hein. Quand vous faites le voter là, si vous voulez, vous essayez de rester à côté. Comme une maman qui baisse son enfant qui est malade. Elle s'en sort de lui, non? Et vous avez en silence, sans dire un mot. Nous sommes Templiers. Et on va attendre qu'ils vont finir de faire leur montage, signer leur TV. Et le soleil se lèvera. J'en ai fini. On a fait le